Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche après Noël, en cette veille de 1er janvier, nous voici encore dans la joie de la nativité du Seigneur et tous rassemblés avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, de KTO, nous voulons prier ce soir avec toute l'Église dans la fête de la Sainte Famille. Tous ceux qui, dans l'humanité, nous tous, sont en attente du Sauveur, dans la joie de sa venue, tous ceux qui sont appelés à en témoigner autour d'eux, comme de la venue de la grâce et de la paix, dès aujourd'hui, dans le monde. Que cet enfant qui nous accueille refasse nos forces, nous relève de tout découragement, de toute tristesse, que sa miséricorde comble nos cœurs, nous qui reconnaissons devant lui que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera grande. Abraham répondit : Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore : Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis, il le fit sortir et lui dit : Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara : Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Des prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole dictée pour mille générations,
promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras.
et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce dimanche après Noël nous met en présence de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Le Verbe fait chair habite parmi nous, d'abord dans la simplicité de sa famille. C'est le chemin que choisit le Seigneur, la famille, là où se concentrent les attentes les plus fondamentales de la vie humaine, mais également là où Dieu dépose ses plus grandes promesses. La famille fait écho à cette prière que nous avons reprise au temps de l'Avent. Creuse en nos cœurs, Seigneur, une attente aussi vaste que tes promesses. Jésus élargit le cœur, nos cœurs. Jésus élargit le cœur des familles aux dimensions de l'immense amour sauveur de Dieu. C'est cet amour-là que nous contemplons ce soir en Jésus, Marie et Joseph, la Sainte Famille, le chemin par lequel Dieu vient au milieu de nous. Ils sont ce soir dans le temple, nous dit l'Évangile de Saint Luc, obéissant à la loi de Moïse. Il y a là le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Leur âge avancé rappelle la longue mémoire creusée depuis des siècles par les promesses de Dieu et la prière d'Israël. Dans le temple, où ils viennent rappeler sans cesse ces promesses, voici que survient celui qu'ils attendaient. Et c'est dans la fragilité d'un tout petit que l'immense promesse du salut apparaît, telle une aurore discrète, le commencement d'un don qui comble la foi, élargit le cœur de ceux qui s'y étaient préparés. Et Siméon et Anne n'ont pas eu besoin de signes grandioses, mais seulement de la foi nourrie des promesses de Dieu. Cette foi les a rendus capables de voir l'immense don de Dieu pour Israël, pour tous les peuples, dans ce temple magnifique, en la présence simple et humble d'une famille avec un nouveau-né. Quelle foi, quelle richesse du regard et du cœur.
en écoutant dans les lectures l'éloge d'Abraham et de Sarah et de leur foi, nous sommes à cette école qu'ont suivi Siméon et Anne. Elle nous apprend jusqu'où va le don de Dieu qui a promis de nous sauver. Les questions d'Abraham sont bien les nôtres dans notre foi. Mon Seigneur, Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant. Nous pouvons reprendre cette plainte. Lui se sait privé de descendance. Et nous, nous savons bien nos manques, nos besoins, notre péché, nos faiblesses, la nuit de ce monde. Et comme Abraham, nous avons commencé à prendre la route à l'appel du Seigneur. Comme Siméon et Anne, nous avons laissé les promesses de Dieu résonner dans nos cœurs. Nous avons appris à lui faire confiance, mais il demeure toujours cette question : comment feras-tu, Seigneur, pour m'apporter ce salut que je ne peux pas me donner à moi-même ? Et comme pour Abraham, devant les étoiles du ciel, notre foi doit toujours se creuser davantage et devenir un oui sans réserve, sans calcul, sans condition, désintéressé. C'est cette foi qui ajuste aux promesses de Dieu, qui prépare le cœur à reconnaître ses dons et à les accueillir. C'est l'enfant qui naît, qui, pour Abraham, représente le véritable don de Dieu. Non pas la récompense de son mérite ou de celui de Sarah, ni même la réparation d'un manque, mais la naissance d'un enfant comme un don de grâce, comme l'alliance qui donne la vie et qui donne la véritable paix. Et cet enfant conduira même Abraham dans l'obéissance qui espère au-delà de la mort, comme nous l'a rappelé la lettre aux Hébreux. Cet acte de foi, ce oui d'Abraham, ce cœur large de Siméon et d'Anne, ce regard de foi sur le tout petit qui vient à eux, c'est bien la foi aussi de Joseph et de Marie qui sont dans ce temple et qui ont eux aussi cette richesse d'espérance et de foi. Ils se laissent étonner et éclairer par les paroles et les gestes de Siméon et d'Anne. Et dans la sainte rencontre qui se passe là, dans le temple, il y a une ouverture pour ce que Dieu fera de cet enfant, pour ce qu'il est déjà, gloire d'Israël, lumière des nations. La délivrance de Jérusalem, bien sûr, puisqu'elle est espérée de tous, mais aussi, mystérieusement, la passion du Christ, avec l'annonce à Marie qu'il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi, par la foi, Joseph et Marie s'accordent au salut de Dieu qui est déjà présent au milieu d'eux, dans leur famille, en cet enfant qu'ils portent. Et ils vont donner à Jésus leur protection, la paix, l'amour d'une famille, en acceptant de vivre toutes les dimensions de la promesse de Dieu qui s'accomplit pour eux, au point d'être associés mystérieusement jusqu'au mystère de la Pâque. Dans la vie des familles où les épreuves ne manquent pas, comment ne pas trouver là un chemin pour espérer, pour engager son amour envers ceux qui nous sont confiés, quand Jésus lui-même, avec ses parents, prend ce chemin. Notre prière en ce dimanche de la Sainte Famille est l'occasion de demander à Dieu de fortifier dans la grâce et la paix les familles du monde entier, celles qui sont marquées par la guerre et la souffrance, le deuil, l'inquiétude pour l'avenir. Celles aussi qui semblent protégées et heureuses aux yeux du monde et qui ont sans cesse à remettre leurs attentes aux dimensions des promesses divines pour que Dieu véritablement les conduise. Les familles aussi qui commencent à peine leur histoire, les mariages qui se préparent, les enfants qu'il faut accueillir bientôt, et puis toutes les familles qui ont à protéger la vie quand elle approche de sa fin,
dans ce moment si décisif, où chaque parole compte, chaque silence, comme ce que Siméon et Anne ont pu témoigner à Joseph et Marie. Que la Sainte Famille, et que nous tous qui sommes dans cette famille, nous puissions nous aider les uns les autres à nous recevoir dans le regard de Dieu, dans la promesse que Dieu nous fait de nous sauver, de nous aimer, de nous rendre capables de nous aimer les uns les autres, de renouveler en nous l'amour et de faire grandir ses dons et la vie en chacun. Amen. Credo in unum Deum, Patre omnipotente, ancora in cieli et terre, visibili omnium et invisibilium. Et in unum Jesus Christus, filium Dei unigenitum, et extra trinatum,
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Pour les familles séparées par la guerre ou l'exil, afin qu'elles trouvent en la Sainte Famille un exemple de persévérance et de confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Les familles éprouvées par la maladie ou le deuil, afin qu'elles trouvent en la Sainte Famille un appui et une consolation, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour les familles éclatées, afin qu'elles trouvent en la Sainte Famille une raison d'espérer un chemin de communion, prions le Seigneur. Seigneur, écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sylvestre et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille, et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Après avoir célébré avec joie la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous célébrerons demain la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Les vêpres seront à 17h45, comme d'habitude, et la messe sera chantée à 18h15. Merci au Père Joao d'être venu prier avec nous ce soir. Il vient du Brésil. Merci infiniment de prier avec nous, de prier pour nous. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est sans doute l'occasion pour chacun de remercier. Permettez-moi de remercier au nom du recteur de la cathédrale, ceux et celles qui vous servent habituellement, dans l'ombre, dans la lumière. Je pense aux secrétaires, aux sacristains, aux chantres, aux musiciens, aux servants d'hôtel, aux nombreux bénévoles qui sont là jour et nuit pour vous. Merci à chacun de vous de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez par la radio ou par KTO. Certains d'entre vous ont déjà passé le premier de l'an. Belle et sainte année à tous. Amen. Et avant la bénédiction, nous prenons cette prière pour les vocations que notre diocèse de Paris porte particulièrement en cette année, pour que dans ce temps de grâce que nous vivons, dans la présence lumineuse de l'enfant sauveur, nous laissions monter de nos cœurs cette prière. Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir ses frères et sœurs. Tu appelles les croyants à chercher les chemins de l'amour que tu nous offres. Tu demandes aux chrétiens d'annoncer l'Évangile en suivant les pas de Jésus, en cherchant la sainteté. Nous t'en prions. Donne à ton Église, au diocèse de Paris en particulier, la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Que les familles, les paroisses et tous les groupes chrétiens soient des lieux où s'épanouissent toutes les vocations, dans la vie laïque, dans le mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée et la vie religieuse, dans les ministères de prêtres et de diacres. Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de toi, au point de désirer mettre sa vie au service de ton amour. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.